هناك إرادة تامة مثل ما سبق وأن قلت من أجل أولا إعطاء وإثراء الإطار القانوني لعلاقات التعاون في مجال الثقافة من خلال توقيع جملة من الاتفاقيات. هناك كذلك نية لبحث سبل تكثيف التبادل فيما بين البلدين، سواء تعلق بالخبرات وكذا الزيارات فيما بين البلدين. وأبدى الجانب السنغالي استعداده كذلك التام للتعاطي مع كل المقترحات من الجانب الجزائري التي تصب في تعزيز علاقات التعاون في مجال الثقافة. ici comme invité d'honneur de l'un des plus grands salons importants avec plus de 2 millions de visiteurs, avec 150 000 titres, avec plus de 900 éditeurs, je crois que ça fait plaisir. Et j'ai fait une grande discussion devant la région avec mon collègue pour dire comment on peut redynamiser. En conclusion, nous allons revoir encore les accords. Et je l'ai invité, c'était l'occasion de l'inviter la semaine prochaine, dans le 20 décembre, pour l'anniversaire d'un membre d'une dimension internationale qui est le président poète, présent du poète Sélassène. C'est aussi l'occasion de parler de la Tijania. On sait qu'aujourd'hui, la Tijania, c'est quelque chose de très important en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement en Sénégal.